Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Omar Digno. C'est une vidéo bête d'intéressante. Et lui, c'est le sujet principal. Regarde, écoute bien. Toi, ce que t'as besoin de savoir, c'est qu'aujourd'hui, tu vas manger ce que tu veux. T'as ton argent. Regarde, ma carte bleue, elle est à toi. Djewallah. Attends, mais écoute, laisse-moi finir. Ah, yeah. Écoute, écoute. Tu vas faire une journée comme si t'avais ta carte bleue et tu manges ce que tu veux, mon rey. C'est bon? T'as okay. besoin de savoir que ça. Ok, okay. Vas-y, sors maintenant, je vais dire un message à. Il n'y a pas de prank, hein, Roulard, par Allah, il n'y a pas de prank. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'Omar va décider ce qu'il veut manger. Mais ce qui ne sait pas, c'est qu'on va calculer les calories qu'il mange. Et c'est une vidéo bête d'importante parce qu'on va calculer combien de calories son corps a besoin pour être en bonne forme et combien de calories lui il mange. Omar, c'est un petit qui ne fait pas de sport. Il n'aime pas le sport, tout ce qui est sport. T'es où? Omar? Il s'est barré. Retenez bien ça, Omar c'est un petit jeune, comme tout le monde, qui n'aime pas beaucoup le sport, donc il fait pas trop de sport. Toi c'est tout. Alors Omar, j'ai besoin de savoir un petit truc sur toi. Tu fais 1 mètre combien? 1m65. Ok, t'as quel âge? J'ai 14 ans. Ok, faut que tu te pèses aussi s'il te plaît. On va calculer tes besoins caloriques, tout ça. Tu vas voir, ça va être cool. J'ai peur hein. Alors dis-moi, combien? 65. C'est bien, 65 kilos pour 1m65, c'est carré, ok d'accord. Bon Omar, je vais t'emmener au magasin, t'achètes ce que tu veux pour la journée, ok? Ça va écoute. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes affaires pour le manger. Tout d'abord, Younes, nous allons commencer avec les fabuleux Nutella Biréidi. Gâteau, ensuite après quoi? Après, des Kinder. Sushi. Ah ouais, tu vas te mettre hier un bain. Des boissons. Ouais, je te laisse un repas aussi à l'extérieur, c'est bon? Comme ça, on mange pas que à la maison. Ok. T'es genouillé comme ça. Hein? Espèce de malade. Donc, parle-nous un petit peu de le petit déjeuner que t'as choisi là. Petit déjeuner, c'est simple comme ça. Donc, déjà, à Capri Sun, ça c'est la base, tout le monde en prend, je suppose. Ok. Là, quatre. Il y en a 4 là, il n'y en a pas un. De quoi ça? Non, il y en a que un, il y a juste la bouteille. Oui, est grave, oui il y en a que un, il y en a 4. Surpoids, c'est pour ça. La bouteille, elle en surpoids, pas mal. Pas mal, c'est la cousin, pas mal. Pas mal, c'est la cousin. Ensuite, le cookie. Le cookie, valeur. Incroyable, sûr, vraiment incroyable. Petit morceau de chocolat dessus, c'est très parfait. Et ça, c'est ma valeur que je kiffe. Il n'y a pas tout le monde qui aime ça. On peut ouvrir juste pour voir comment il y a le biscuit. J'ai jamais vu ça, des biscuits au Nutella, frère. C'est incroyable. Ah ouais, à l'intérieur. Ah ouais, pas mal. C'est tout petit, donc je pense qu'on en mangerait peut-être 4 ou 5. Haram Ali, tu veux le manger? Ah, vas-y, mange. J'ai celle-là, elle mange. Donc c'est son petit déjeuner, c'est carré. Alors pour le petit déjeuner d'Omar, on a 884 kilocalories. Il y a plus de 120 grammes de glucides. Et le taux de sucre est énorme. Donc là, tout ce qu'il va manger juste après, ça va le faire grossir puisqu'il a dépassé les 50 grammes de sucre qu'on doit manger par jour. Je te dérange pas? C'est ça ton repas? Je te dérange pas? C'est ma casquette. Hey, il m'a pété à toutes mes casquettes. Oh, mais toi, des fois, fais-nous des cadeaux de casquettes Gucci, frère. Hey, tu vas grave bien, Yacine, vraiment. Je sais. Tu veux la garder? J'ai l'air un mec de. Je suis beau gosse. Un petit peu. Donc là, tu manges quoi? Tu manges des Kinder Pingouins? Ah, Kinder Pingouins. T'as quel âge? 14. Yacine, on est bien d'accord qu'on peut pas manger un Kinder Pingouin, ça n'existe pas. Fait... Mais ça, c'est le repas quand j'avais 8 ans et quand t'en manges pas, t'en manges 4 dans ça là. Non, on va dire 2, on va dire 2, 2 au moins 2. Mais non, par contre, ça devient écœurant le truc blanc à l'intérieur. Hein, ouais, donc t'en manges 2, c'est bon. Ouais. Et du coup, par contre, ça, je comprends pas comment la nouvelle génération. En fait, c'est que la nouvelle génération. Tous ceux qui sont nés dans les années 2000, comment vous pouvez manger ça? Non, c'est archi bon, Yacine. Je comprends vraiment. Pas, je comprends pas. C'est juste que nous, quand on était petits, on connaissait pas. Mais ça, c'est sushi, si tu mets sushi à côté entre parenthèses 2000. Il n'y a que les 2000 qui mangent ça. Mais nous, quand on était petits, ça n'existait pas, Yacine, ça. Ah, nous, c'était l'époque des Grecs. C'est super bon. Et en boisson? Sans, juste sans. Lui, il n'aime pas le poisson cru. Et en... quinoa, là. En boisson, tu vas... Tu sais, les gens qui mangent des sushis, je les vois comment? Je les vois comme ça. Mais je fais quoi? Tu manges du carton. Tu manges du carton, c'est des poissons, du poisson cru. Mais c'est archi bon, Yacine, c'est archi bon. Et en boisson, tu nous as choisi quoi? Ma chérie. Est-ce que vous avez la rêve? À peu près combien? 2 verres, on va dire. Est-ce que vous avez la rêve? 1 à 2 verres. Est-ce que vous avez la rêve? Ronaldo! Non, Coca-Cola! C'est Cristiano! Et après, il prend ça. Vous avez vu ce qu'il a fait la semaine dernière? Et tu sais que maintenant, Pogba, il a enlevé l'alcool aussi. Ouais, mais même Lukaku aussi. J'ai un truc à dire. On n'a pas une diète à tenir. Ramène le Coca. Dégage. Ramène le Coca. Donne-lui le Coca, on va le laisser finir de manger au calmus. Donc, bon appétit, Omar. C'est un voleur de casquette. Régale-toi bien. Donc au déjeuner, il a 985 calories. La famille, c'est énorme.
Pourquoi ? Sa dose de sucre, elle est extrêmement élevée par rapport à son âge. Il y a trop de glucides. Donc déjà, là, tout ce qu'il va manger, il va le stocker en graisse et en eau, vu qu'il ne va pas faire de sport juste après. Et il lui reste encore un repas à faire. Il ne lui reste plus que 200 calories. Donc comment il va faire ? Bon, pour finir, tu finis comment la journée ? Avec un petit menu. Avec un petit quick. On est au quick, la famille. Oui, XL, bien sûr. Pour bien on finir. On a besoin d'un petit XL. Tu vas prendre quoi ? Prends un truc qu'on n'a jamais vu. Long beef. Il arrive avec sa petite commande, tout innocent. On va rien lui dire pour l'instant. C'est que ça fait au moins plus d'un an qu'on n'a pas mangé au quick. Hein. Et je confirme. Et je confirme avec validation confirmée et confirmation confirmée. Ouais. Donc là, je sais même plus ça ressemble à quoi un quick, vraiment. Justement, tu n'as plus, c'est quoi ? Moi, je veux. Tiens, on a... Moi, je veux pour ce repas, Omar, que tu tapes ton meilleur. C'est quoi vos vidéos d'avant, les gars ? Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, on est avec Yacine, Issa, Sofiane et Nassim pour déguster le nouveau burger. Donc les gars, en inauguration, donc le long fish. Moi je veux, voilà. Là t'as eu 15 ans, t'as vu ouais. Je veux que tu tapes un burger, là t'es plus un enfant. Un bon croc. Regardez. Dites-moi dans la famille, si dans les commentaires, vous pensez que c'est plus un enfant. Non, franchement ça va. Franchement ça va. Donc je sais pas c'est quoi votre délire là, à faire des pailles en carton. Tu souffles, ça passe pas. Ça passe pas. La boisson, ça passe pas. The next day. Alors ce que je te propose en petit déjeuner, une petite omelette, c'est carré avec deux petites tranches de dinde, une pomme avec des amandes. Et pour remplacer les Kellogg's, parce que moi je kiffe les Kellogg's, j'ai mis des flocons d'avoine avec du cacao comme ça, non sucré, du lait. Et tu peux rajouter de la stevia. Après, tu vas me dire, moi, Younes, je suis pas trop flocon d'avoine. Il n'y a pas de problème. Vire, tu le vires. Tu rajoutes deux pains complets comme ça. Et tu tartines avec du beurre de cacahuète. Après, les gars, si vous voulez manger plus, faites du sport. Je crois, moi, j'aime bien le sport. J'aime bien vite fait, mais je fais du sport parce que je peux manger plus. Là, je transpire tout ça. Du coup, après, je vais pouvoir manger du bon sucre. Moi, ce que je vous propose à midi, la famille, je suis le roi des gros porcs. Mais je vais vous montrer qu'on peut manger bien. Donc là, j'ai du blanc de poulet et de la salade. Le blanc de poulet, c'est ce que je préfère. Je mange ça tous les jours, c'est trop bon. Les sauces sont vos pires ennemis. Les sauces algériennes, mayonnaise, tout ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends des sauces zéro, comme ça. Vous les trouvez sur internet. Tapez sauce zéro, vous allez voir. Il y a zéro calories et c'est le même goût là, c'est goût barbecue. Voilà. Toujours un peu de légumes. Ça, c'est important pour les vitamines, pour avoir la patate. Et on finit par un dessert. Donc là, je me suis fait du pain perdu. Aujourd'hui, c'est ça. Ça aurait pu être n'importe quoi. Pas de Nutella, bien évidemment. Nous, on prend des pâtes chocolatées bio, très très bon pour vous. Là, c'est goût Nutella, il y a goût chocolat blanc, goût beurre de cacahuète, la famille. Aussi, les boissons, faites attention, les boissons, c'est votre pire ennemi, il n'y a que du sucre. Tu prends tes petites tartines, tout ça pour vous dire que faites à manger tout seul. Tu veux un tacos, achète la pâte à tacos, fais-la tout seul, frère. Et tu calcules bien tes calories de sang, je vais vous montrer comment faire. Et tu tapes un petit croc. C'est vraiment exceptionnel. Pour savoir combien de calories vous devez manger, c'est hyper facile. Vous tapez Julien Cagliarini, c'est un coach, il a un site de malade. Vous allez sur son site, vous allez dans calculateur de calories, vous descendez tout en bas. Et là, je vais le faire avec vous. Ouais, lui, il est stock, hein. Mais frère, c'est pas du hasard. Alors, vous allez dans âge. Moi, j'ai 27 ans. Mon poids, vous mettez votre poids, 83 kilos. On va dire perte de gras, si vous voulez perdre du gras. Sexe, homme. Taille, je fais 1m83 ou 84, je dis je vais mettre 83. Et là, c'est important, votre niveau d'activité, si vous faites beaucoup de séances par semaine ou quoi. Moi, je suis à 5 à 6 séances d'entraînement par semaine et travail de bureau, ouais, on va dire ça, très actif. Après, vous mettez calculé. Et là, ça calcule automatiquement. Donc moi, pour perdre du poids, je dois manger 2600 calories par jour. Je dois être à 241 g de glucides, 215 g de protéines et 87 g de lipides. Dernier repas, attention à ce repas parce que juste après, vous allez dormir. Donc, si vous mangez un grec, un tacos ou un truc dehors, c'est sûr et certain que ça va dans ton corps, ça se transforme en gras directement. Donc, moi, ce que je vous propose, déjà en dessert, j'ai un petit yaourt blanc. Et pour agrémenter, parce que tout seul, je vous avoue, c'est dégueulasse, j'ai pris du sirop zéro à la fraise. Ça, sur tous les sites de musculation, vous allez en trouver, ça donne du goût et il y a zéro calories. Légumes à volonté. On va se faire plaisir avec un croque-monsieur. Dedans, j'ai mis de l'emmental avec de la viande hachée. Franchement, là, j'ai un super bon repas, la famille. Croyez pas que manger ici, c'est manger des brocolis. Moi, je suis comme vous, j'aime bien me faire plaisir. Je mange des hamburgers, je mange ce que je veux. Mais faites vraiment tout, tout, tout chez vous. Faites-le vous-même. Et là, ça va être carré. Alors, je suis avec Omar qui est en train de manger. Alors, les conseils que je peux te donner. Déjà, de 1, tu veux manger plus ? Alors, tu veux te faire plaisir ? Non, en vrai, c'est assez.
Non mais, là, non mais là c'était assez, mais t'as mangé beaucoup trop. Mais est-ce que tu veux bien manger? Fais du sport. Si tu fais du sport, ton corps, tu bouges bien toute la journée, tu vas dehors avec tes potes, tout ça, tu auras le droit de manger plus parce que ton corps, il aura besoin de plus d'énergie. La piscine, est-ce que c'est bien? La piscine, c'est incroyable. Bah, je fais ça. C'est, là, bah, c'est super, continue. Tu veux manger des repas comme ça? Eh ben, il faut que tu manges ce repas-là autour d'un entraînement. Ça veut dire si l'après-midi, tu as vu, tu vas à la piscine à 14h. Mm-hmm. Tu peux manger ce repas-là bah, dès que tu rentres à la maison ou alors juste avant de partir, que tu vois, tu vas un peu le dépenser, t'as capté. Mais sinon, il faut juste apprendre à lire les étiquettes. Moi, je vais vous laisser là, je laisse le mot de la fin à Omar. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas les likes, s'il vous plaît. À chaque fois, on est obligé de dire, mettez un like, comme ça, la prochaine vidéo, on saute d'un pont. C'est que c'est gratuit. C'est gratuit. Pose ton like et puis voilà. Ouais.